Et c'est le prochain épisode, on va essayer d'activer une zone de track. Moi j'ai jamais réellement, je me suis pas intéressé en fait, PVP ça m'intéressait pas des matchs. Mais en fait maintenant la track PVE m'intéresse encore moins que le PVP. Donc bon, je préfère faire du PVP quoi. Pourquoi la track me gonfle? Parce que elle est chiante, tout simplement. Ou et parce qu'on arrive. Parce que j'arrive à rien, ça m'emmerde. Je me suis fait one shot par un putain de d'agent Renégat. Ah, c'est là. C'est pas là. Grade 12. Mais il devait pas y avoir un truc à activer. Normalement, si, un truc est activé. Mais non, j'ai pas eu le temps de la refuser. Ouais. Bon, tout droit. Bon, tout droit. Je vais me faire poutrer. Et après, à la fin, je montrerai quand même ce que je veux dire par l'histoire de la traque qui me casse les couilles. Avec ce build-là. Ce build il passe très très bien des ailes, hein. J'ai fait quelques essais, on était en groupe lors des derniers épisodes. J'ai poutré tout ce qui passait, j'ai eu deux caches exotiques de merde, mais j'ai eu deux caches exotiques. Les mecs sont pas loin. Il faut écouter. Ou alors je fais le point de contrôle. Parce que le mec il était dans le New Jersey Avenue. Black Tusk. Il se frite avec quoi? Ok, là il y a Cypri, donc on... Cypri, c'était un du dernier épisode que je laissais pépère. Extraction demandée. Nice, 99 sur 100. Ah, je reviens. Ok, re les gens. Comme le PVP n'était pas actif. Ça passe, c'est miracle, c'est passé. Elle est aussi nulle que moi, sniper. Et c'est le pin. Il a aucune excuse, le pin. Je
Le drone, on s'en fout. Je t'arrête de tirer, merci. C'est fini pour lui. La bombe est cassée. Bon, ok. T'es mis à la con, je voulais essayer de lui péter tout son truc, mais non, niet. Toi, je veux rien. Continue. Tant que la truc elle est pas pleine, on continue. Ça rapporte tellement de niveau, la Dark Zone. Je roule sur tous les pièges et ça rapporte une chier de niveau, sans déconner. Bon, après, moi, il faudra quand même que j'aille manger, parce que là, il commence à se faire tard. Mais, putain, mais arrête de suivre les points, toi, andouille. Andouille. Je vais finir par passer Renegade juste pour le plaisir, en fait, parce que là, non. Ouais, je suis devenu Renegade, mais y'a personne. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, et on. Ouais, j'ai gagné. J'ai gagné. 1471, où qu'ils sont? Ah non, je vais pas leur faire le plaisir de. Ils sont. Fonçons chercher la traque. C'est peut-être la mienne. Je sais pas, je vais m'auto-traquer, on va voir, ça marche. Si le jeu était fucké, traque niveau 0, c'est peut-être moi. Oh non, je ne sais pas où est-ce qu'ils. Où qu'ils sont. Parce que normalement, il y a un truc de zone Renegade par ici. Et une zone de track, quoi, mais c'est quoi? C'est bien de l'indiquer sur la map en fait, mais ça m'intéresserait de savoir quoi. Qu'est-ce que je dois trouver? Là, il y avait un truc avec des clés. Équipement contaminé détecté. Là, il y a rien du tout, il y a que dalle. Je sais à peu près où ils sont, donc ça devrait être facile à trouver. Il y a même pas la petite icône avec le machin Renegade dessus que j'ai vu tout à l'heure. Ah, ça apparaît même plus sur la minimap. Ah, voilà. Donc ils sont là-bas, taillot. Comme on dit, taillot, 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 et ferme ta gueule, répondit l'écho. Alors les mecs ont l'air motivés, donc j'ai le temps, je pense, d'extraire le merdier, si je passe pour une extraction. Bon, on va passer par là d'abord. On va passer par ici. En plus, ça les attirera peut-être, donc bon. Faut juste pas que j'oublie que je dois courir partout. Et si les mecs ont un drone protecteur, par contre, je suis mal. Moi, c'est pas pour extract, c'est pas ce qu'il y a dans le loot qui m'intéresse, c'est que j'ai pas envie de leur donner. Qu'ils meurent comme une merde, j'ai pas envie de leur passer. Surtout que l'Egypte là, il a fait le taf. Putain, j'aurais tellement pu l'abattre tout à l'heure celui-là.
Et depuis que j'ai réduit un peu les ombres et que j'ai enlevé la V5 et le truc de latence, ça passe nickel. J'ai plus de perte de FPS. Il y a du bleu. Il y a du bleu. Qu'est-ce que c'est qui est bleu? Il est où le bleu? Ah merde, j'en ai déjà. Du titane. Bon, tant pis. Histoire de bien faire la chose. Un peu plus. À peu près bon. Eh, presque. Hélico en approche. Extraction demandée. Oh, mais allez vous faire foutre les tusks. Vous m'énervez. On est en approche. Ennemis au contact. À vous. Là, c'est vous, les débiles. Et donc là, vu qu'ils sont plus très loin, bon, déjà on récupère le merdier. Très bien, hop. Détection d'équipement contaminé. Oh, y a pas de machine à café. Putain, ça se voit que c'est la Dark Zone. Hélico d'extraction bientôt sur site. Où qu'ils sont? Ils sont toujours là, ils sont toujours en train de fermer cette zone. Okidoki. Et une fois que l'extract est là, je laisse mon stuff, je me casse sans. Parce que je crois que j'ai rien. Ouais, 10, j'ai du mod, j'ai... Oh, j'ai une pièce peut-être intéressante. Parce que le Walker arrive là. Hélico à destination. Ah ouais, il est pas mal. Donc je vais défendre juste le Walker Harris parce que j'y fous un dégât d'écrit dessus, il peut être super sympa. Parce que là j'ai bah il sera mieux que celui que j'ai en fait. Je perdrai 4 de proba d'écrit pour passer sur 12 de dégâts des headshots que je peux remplacer, après je peux changer une ou deux pièces. Putain, niveau 16, les mecs ils vont gagner un pognon. 30 secondes avant retour à la base. En stats, ça donne quoi en fait? Stats, je suis à 49. Ouais, 45, ça peut passer. Bon, après, avec l'ACR, ce sera pas ça, mais avec la Lady Death, ça peut être sympa. Plus de dégâts des headshots et plus de dégâts des crits, ça peut être assez violent. 15 secondes avant retour à la base. Allez hop, on met le poil ici, ici, par ici. Et voilà. Taïo. Mais non, en plus, en arrivant par derrière avec un build comme ça, tu peux tellement les poutrer. Il suffit d'arriver au corps à corps et si ça passe, c'est gagné. Voilà, là, je veux sortir de la DZ2. Et je me suis... Ah non, je voyais que je m'étais perdu encore. Non, mais non, tu te marques pas, toi. Arrête de briller en violet, s'il te plaît. Merci. Les pinches, cassez-vous. Merci, c'est très gentil. Échantillon Renégat détecté. Uno sì, uno l'ha ammazzato, non sembra. Nice. Che lasciare, suca, da voi можете показать. Nice. Ti fa manco fa lambocchi con la mamma. Lambocchi bo... L'altro sta... Nelle creme. Sono pas contento. Da sei a uno, bled. Ils sont pas contents. Nick, hein. Je suis content de moi. Je suis très loin content de moi. Et vu que les Italiens ont gueulé, ils sont où? C'est-à-dire que moi, le Valet Dida, ça fait tellement le taf.
Allez, prenez votre staff. Allez, comment ça dans quelque chose. Ah mais oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes que ça passait pas. Ils ont un stuff de merde. Mais ils ont un stuff de merde, mais ça sert à rien. Petrov, je veux bien. Mais c'est de la merde votre truc, les mecs. Mais comment tu veux gagner avec ça? J'ai arrêté de tirer, c'est pour ça qu'il m'a buté, mais je m'en fous en fait. Par contre, les insultes en italien, ça va, merci les mecs. J'ai donné, je préfère aller ailleurs, ça me pourrira pas le micro. J'adore, je suis désolé mais j'adore vraiment faire ce genre de conneries, moi ça m'éclate. Il y a quoi, il y a de la merde, Parfait, j'ai rien. Non, par contre ce qui m'intéressait c'était où il est. Où je l'ai mis, machin. C'est toi qui m'intéressais. Demande de backup reçu. Ah mais ce stuff il est génial. Ça c'est le stuff PVP par excellence. Faut le jouer en... En raclure finie, mais c'est génial. Moi, je sais pas comment ils avaient fait pour accepter la traque. Moi, j'avais pas pu l'accepter, donc bon. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Allez, on va tester avec ça. Oh, mais j'adore l'idée du stuff. Oh, j'ai une super idée de faire cette merde. En plus, avec le genouillard du ninja machin, là, si je suis à couvert et que je me déplace, j'ai de la... un peu de vie. Ah mais je suis content de moi là. Oh je suis tellement content de moi, j'ai tellement fait de la merde mais je suis tellement content. On va régler ça et après on y retourne. Histoire de bien faire de la merde jusqu'au bout. Ouais non ça je m'en fous en fait. C'est le masque, c'est un walker et Harris qui doit traîner par là dans le merdier. Putain mais quel bordel. Mais quel bordel. Faudrait que je fasse du trail là-dedans. Voilà, c'est lui. Norme protection et des altérations de l'état, je vais l'enlever, je vais le faire sauter. Faut remettre 12 de dégâts d'écrit. Donc là, niveau dégâts, ça va être correct. Ça va être même sacrément correct. Hop, voilà, c'est lui que je veux et il faudrait... Et je passe à 45 pour 128. Non. C'est lui. À quasiment 130 de dégâts d'écrit. Un gros pot. Intéressant. Providence. Je prends tout, on verra bien après. Et des gun clips, nickel. Donc le protocole Eclipse, je m'en fous, ça je m'en fous. Effet d'état, dégâts de compétences. Non, pas assez bien stat. C'est de la merde. Opportuniste, non merci. Un joli SIG, mais le SIG je l'utilise pas, il est pas assez bon. Un mec animal qui est pas dégueulasse, mais c'est le mec animal, j'en ai 50. Un M4 qui est dégueulasse, et un USC, je l'utilise pas. USC est joli, mais je l'utilise pas. Ah oui, tiens, mais d'ailleurs la ligue, j'ai du merdier, je crois. Je crois que j'ai atteint une étape ou deux. Ah non. Donc, trois étapes à débloquer, cache de fabrication. Ah, il y a des trucs sympas, mais pour arriver jusqu'au bout, c'est la merde. Heureuse de vous voir. Il vous faut Track du Tidal Bassin, Hornet, je peux même pas la réactiver, je crois pas. Le Pentagone, non, à chier. Ça, c'est une zone de merde. Non, ça, je l'ai fait. Black Tusk, ouais, ça peut se faire. On verra bien. Allez, Taillot. Retournons voir les Italiens. On va les faire mumuse un peu. Après, s'il y en a qui. Si ça vous plaît pas ce que j'ai fait, ma connerie là dans la Dark Zone. Analyse. Faut prendre en compte un truc aussi, j'y pense. C'est la Dark Zone en fait. C'est chacun pour soi, démerdez-vous si vous êtes pas content en fait. Vous entrez dans une Dark Zone envahie. Ah oui, ça va, c'est bien la Dark Zone. Non, vraiment, le but de la Dark Zone c'est juste de foutre la merde. C'est pas d'autre, enfin, pas d'autre intérêt. Parce que si je me fie à ce qu'on loot en Dark Zone. Il y a un problème avec ça, genre celui-là. Oh, j'ai tellement envie. Est-ce qu'il a du loot? Mais il a du loot?
faut que je sois sûr de l'avoir. On va le suivre un peu. Ruche Renegat détectée. Ah merde, c'est des ressources. Bon, je les laisse. 36 ressources, je les laisse. Parce que je sais ce qui est fermé. Là, je pensais qu'il avait autre chose comme loot. Je l'aurais pris l'autre, mais celui-là, je lui laisse. Parce que les ressources, j'en ai fermé. C'est excessivement casse-couille. Donc, je préfère, voilà. Je sais très bien pourquoi il ferme ce genre de truc. Bon, par contre, il n'y a pas d'autres joueurs. Ah, la Lady Death, elle est assez ultime. Mais ils sont où les autres joueurs? Est-ce qu'il y a d'autres gens? Putain, il n'y a personne? Ah, moi, genre, je camperai pas. Bah, j'ai buté 3 joueurs. Et il y en a qui ont pas aimé. J'espère qu'il verra que je vais laisser ses ressources sur place. Oh. Oh. Yeah. Ah, et là, je peux redevenir direct Renegat. Ah, mais putain, c'est rapide. Et je pense que le prochain épisode avec ce build, ce sera un conflit, carrément. Oh, y'a rien. Putain, y'a rien. Ah, des joueurs. Merci le point rouge. Et vite, allons foutre la merde. Pour une fois que je fous la merde en PVP, que ça se passe bien, on en prend vite. D'habitude, c'est toujours moi qui me fais poutrer en premier en PVP, donc. Mais t'as yo. Mais c'est vrai que la Lady Death, elle roule surtout en désert, j'ai l'impression. Mais avec surtout avec un bon. Une bonne stat derrière. CS il ne sert à rien, PVE, PVP il sert à rien. Ça je peux vous le dire d'expérience. Système en ligne. Oui, oui. Équipement contaminé détecté. Ah oui, mais. Elle était. Point de repère nettoyé. Après j'ai bien envie de leur donner mon stuff en bassant Renegat, en faisant semblant de les tuer et en leur laissant le stuff. Des fois ça arrive de le faire. C'est pratique ça en fait pour passer le stuff. Vous n'avez pas besoin de sortir de la DZ, vous passez Renegat, vous quittez le groupe, vous passez Renegat, ils vous butent, vous revenez, vous rejoignez le groupe. Ça permet de passer le stuff des fois aussi. Techniquement ça marche. Après bon faut le faire dans la limite du raisonnable on va dire, mais c'est faisable. Enfin, je sais même pas si c'est faisable, en fait, j'ai jamais essayé. Parce que mes parties en groupe, elles doivent se compter sur le doigt de la main. Enfin, à part les raids où j'en ai fait une trentaine. Ou la DZ, où des fois j'ai un groupe et des fois ça se passe bien, mais bon, pas souvent. Bon, les mecs, je crois que j'ai... Putain, il n'y a plus personne en PVP, sans déconner. Ouais, j'ai réussi à dégoûter des gros joueurs PVP qui avaient fait une track x16 ou je sais pas quoi. Ou alors ils avaient magouillé un truc entre eux. Ah, il a pas repris ses ressources. Merde. Okay. Bon, je lui laisse quand même. Hélico en approche. Extraction demandée. Là, je suis une cible parfaite. En plus, le temps que je quitte l'animation, il y a une frame qui peut me coûter la vie.
Lâche l'affaire, putain. Ouais, lâche l'affaire, vas-y Maurice. En fait, j'ai quoi là? Hélico en approche de la zone d'extraction. 42 ressources. Non, on va rester gentil, on va les laisser. Hélico prêt pour l'attaque. J'en ai pas besoin, à moins que... Hélicoptère. C'est un miracle, dans ces cas-là je reviens, mais ça m'étonnerait. Je crois que j'ai un peu de ressources en plus. Bon, monsieur. Le mec il est zen. Ah, putain, ils sont zen, hein, des aides aujourd'hui. Moi wow. Ouais, j'en ai eu. Départ de l'hélico dans 30 secondes. Non, mais tu me laisses à côté. Ouais, je crois que c'est lui. Mais vas-y, va extract. Vas-y, dépêche. Parfait. Au moins quelqu'un les a récupérés. Et là, je fais mon salaud, je coupe la corde. Extraction réussie. Hélico en route vers la base. Bon, on se casse de la DZ. Vu que les mecs en ont marre de PVP, ils sont fait poutrer. Oh, mais à tous les coups, je tic, mais c'est peut-être une connerie. Mais à tous les coups, les mecs que j'ai vus, qui étaient là, que j'ai buté là, c'était une magouille de leur part. Moi je croyais que c'était des gros joueurs PVP, peut-être pas en fait. Ah, mais non, mais ils se tiraient dessus, non. Rien du tout en fait. Non, mais on se casse de la Dark Zone, c'est plus rigolo. On peut même pas rester renégat. Pas drôle leur truc. Bon, j'arrive. Tu fais un coup de main, Maurice. Ah, mais c'est lui. Oh merci, putain, mais ils sont gentils les mecs. Assistance médicale immédiate nécessaire. Non, mais je m'en fous. De toute façon, voilà, je redonne un petit coup de main. Ils ont mon stuff, ils se débrouillent. Allez hop, je me casse. Voilà, très bien. Parfait. Bon, je cherche un protège. Zone de sécurité détectée. Voilà. C'est bien, moi j'ai un peu de stock divi en avance, ça c'est parfait. Putain, y'a rien. J'ai rien loot. Avion cargo avec ravitaillement de Dark Zone en approche. Ah. Où ça? Ça par contre, laisser les points de contrôle et avoir les infos de la DZ en étant dans les trucs, là ça permet de se TP tellement facilement. Entrer dans une Dark Zone. Est-ce que je vois, je suis pas le seul.
là. Plus l'ennemi qui a envoyé. Il est touché. C'est parti. Allez, c'est parti. Extraction demandée. C'est bidon. Drone bombardier Renégat détecté. Ruche Renégat détecté. Entends le bouclier. Équipement contaminé détecté. Détection d'équipement contaminé. Voilà. Récupération d'abord. De colis de Dark Zone. Étape 1, ensuite étape 2. Ravitaillement de Dark Zone expiré. Hélico d'extraction bientôt sur site. Ah les mecs, mais en fait ils sont zen en Dark Zone. Mais là il y a un item là qui me bloque. Je sais pas ce que c'est. Oui, de chargement. Hélico à destination. Où est la zone d'extract la plus proche? Bon, pas mal. Il y a des tags, ils sont space. Mais c'est vrai que là, dans Division, il y a des trucs qui sont beaux. Ils sont bien foutus. Des espèces de tags, là, de graphes ou autres qu'il y a sur les murs, il y en a des beaux. La toute première extraction du jeu, si je ne m'abuse, qui était passée dans la Dark Zone Est, justement. Dans la bêta ouverte. Il y avait une mission dans la DZ Est, je crois, qui se faisait ici. Et ça, c'est un graphe qui a de la gueule. Ça, c'est un graphe qui a vraiment de la gueule. On est en approche. Extraction demandée. Bon, je change de fringue d'ailleurs. Pas du tout risqué ce que je fais. Tenue. Midnight. Excusez-moi, monsieur. Je suis en train de me rhabiller. Donc, le touriste dans la Dark Zone, c'est bien, mais bon. Perturbation du système. Bonjour, monsieur. Système réactivé. Bon, allez, on se débarrasse des pinches. Non, bah loupé. Loupé. Grande gueule, mérite. Tu disais. Grande gueule, je suis d'accord, mais. Le reste, non, ça va. Là, ça va. Pas dire. Hélico en approche de la zone d'extraction. Non, mais arrête de te barrer, saloperie de chien de guerre. Ce truc, sans déconner. Hélicoptère sur site. Non mais c'est la guerre. Est-ce que j'aurai la place au moins pour regarder tout le merdier dans la réserve?
Bon, mais ça terminera là notre session en Dark Zone. Non, il est en bas. Arrête. Arrête de PVP, toi. Ah, oui. J'ai gagné. Oh, monsieur. L'hélico rentre à la base. L'épingle. Ça me dit rien, en fait, ce sniper. Il tire son épingle du jeu en DZ. Bah ouais, très bon titre, ça faut que j'y pense. Ouais, effectivement, l'endroit n'est pas sûr pour les civils. Même pour les agents de la division, elle est pas sûre. Pas sûre. Vous sortez de la Dark Zone envahie. Ah, 56 sur 60, ça va. Donc, ça, c'est de la merde. Ça aussi. Non, rien de bon. Non plus. 12-4, Hiral 10, 3-5 non plus. Premier simple parfait. Vos deux premières munitions tirées lors du combat, quelle que soit la partie du corps touché, c'est pas mal. Il est stat comme de la merde, mais c'est pas mal. Un trop patriote. Avec des stats à chier. Ça dégage. Ça j'ai mieux. 4 durée, j'ai mieux. 6, 5 de santé, j'ai 7. 11,2, j'ai mieux. Celui-là peut être intéressant. Alp Summit avec du dégât, non merci. Quoique, non. Dégâts des headshots sur un Providence, non merci, j'ai beaucoup mieux. J'ai mieux. Une crise de mieux. Ouais, non. Ah, quoique. Putain, j'ai rien loot. Oh la cata. C'est une décence que j'ai rien loot. Mon dieu. Serment, je joue pas. Si c'était imparfaitement sous le choc, je le regardais. Pareil. Non. Non plus. Et le reste, je le garde. Le M700, j'en ai qu'un, je crois, donc je vais le garder. Juste pour le souvenir. Ouais, là, ça fait du compo. Et juste par curiosité, parce que je voyais tout le monde là-bas, j'aimerais bien voir un truc. Bon, après le reste, les autres points de contrôle à faire dans la saison 2, vous les aurez pas en vidéo. Je les ferai en solo en off tranquille. C'est-à-dire que je les ferai en mode hyper grosse flemme. Avec le Capitole derrière, c'est joli. Présente bien. Ah ben là en plus ça ferait une belle miniature là, pile dans la lumière, c'est... Ah non, je croyais que c'était dans la lumière. Ah oui non. Donc c'est où est le téléphone? Ah bah en plus c'est le nouveau et fiable, ouais non merci. Y'a rien du tout. Allez les gens, il est temps de se donner rendez-vous pour un prochain épisode. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, voire carrément l'abonnement si vous voulez plus de Division 2. Je pense que le prochain épisode ce sera du conflit ou du légendaire, ça dépendra des loots et des projets du merdier. Parce que les projets j'en suis où avant de partir? Ouais bah il reste encore 21 heures. Bon allez les gens, à la prochaine, c'était Revan 11 000. Allez-y.